Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2 qui se sera fait dans la douleur parce que, après moult problèmes concernant la carte graphique, ça y est, c'est tout bon. Je vois que ma caméra m'a dit merde d'ailleurs, je vais essayer de revoir ça. La map, si tu peux te mettre la map. La map. S'il te plaît, la map, merci. Elle veut pas, très bien. Oui, la carte graphique m'a fait une petite frayeur pendant cet après-midi, et j'aurais dû enregistrer ça cet après-midi. Je n'ai pas pu enregistrer et j'ai trouvé le problème et ça m'a pris un peu de temps. Bref, dans la dernière session, nous étions rendus avec notre ami Kelgar à Forlock, où nous avons croisé Nishka qui s'est faite alpaguer par plusieurs membres de la garde. Qui a priori a changé parce que oui monsieur, écoutez, notre commandant est mort, le commandant a pris le contrôle, il nous a dit ramener des gens, j'ai envie de tuer des gens, donc on ramène tous les brigands. Nous on a dit les mecs, franchement non. Nous sommes rentrés avec Nishka qui est une voleuse néphiline je crois, et nous sommes rendus dans le cimetière dans un premier temps afin... Oh, il y a une tombe que j'ai pas vue. Afin d'explorer cette zone, et en même temps nous sommes aventurés dans les cryptes. J'ai déjà pris ce qu'il y a dedans. Dans les cryptes où nous avons trouvé le vrai commandant, le commandant Tan, oui, avec deux N, qui était aux mains d'un boss, petit boss, et nous avons essayé de rechercher les survivants de sa garde. 2 sur 3, c'est un peu triste. Mais du coup, nous allons nous rendre à Forlock pour le dénouement de cette petite quête et avancer dans le jeu, sachant que j'ai déjà fait un peu la fin du jeu dans la précédente session. On sait ce qui nous attend, c'est un combat, et je pars avec un malus un peu partout. Donc nous verrons ce que nous verrons. Je rappelle que je joue sur une version physique du jeu, ce qui fait qu'il y aura sûrement quelques petits lags. Ah, commandant, content de vous voir. Oui. Alors, relevez de vos fonctions, oh mon dieu! Très bien. Alors, il y a deux personnes, ok. Diplomatie, c'est un échec, très bien. Eh bien, c'est la bagarre! La bagarre! Alors, la bagarre, c'est aussi quand mes chers... Voilà, mes chers compagnons... Voilà, c'est bon, ça se passe bien. Il a utilisé sa potion. Jusque là, c'est ok. Faut juste que lui, je le frappe en premier. Et ensuite, c'est tout bon. Lui, je m'en fiche, c'est un PNJ, je pense qu'il mourra pas. Allez! Allez, voilà. Et maintenant, tous sur 1. Bon, les gars sont pas très forts, c'est pas grave. Les deux seuls savent. Ok. Il a dit quoi, je. Très bien. Je vais prendre les drops. Une armure. Je suis trop chargé pour bouger. Ah oui. Ah bah oui. Ouais. Bon, bah j'ai drop une armure inconnue. Et je me suis pris un malus de déplacement parce que je suis bien trop lourd, presque trop lourd même. Ça, c'est un truc qu'il va falloir voir avec la force. Alors, qu'est-ce que j'ai comme armure? Une cotte de maille. Je sais très bien à qui je vais donner ça. À Kelgar. Kelgar qui peut aisément mettre cette cotte de maille. Plus 1, alors qu'il avait qu'une cotte de maille tout court. Plus 1 de modificateur d'armure. Et là, rien du tout. Donc... Voilà. Suivez-moi. Non, restez là. Bon, j'ai un petit problème avec ma carte. À la limite, ça, c'est pas trop grave. Faut juste que je retrouve où est-ce que j'ai mis ma carte. Non, je peux pas. Bon, j'aurai plus tard. Faudrait que je vérifie où qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte, si le jeu l'a bien chargé ou pas. Parce que là, il m'en fait voir de toutes les couleurs, le jeu vidéo, là. Et j'aime pas bien ça. On va profiter pour sauvegarder.
Oui, il y a des sauvegardes tests que j'ai dû refaire pour vérifier que le jeu fonctionnait bien. Et il fonctionne. Tout est bon ici. Ça a l'air tout bon. Ok, le commandant il est là. On va lui parler. Alors, j'ai parlé à j'ai copié notre forgeron. Ah, d'accord. Bien, bien, bien. Est-ce que tu as un peu de travail? Ouais. Ok. Ah bah oui, les brigands. Très bien, très bien. Ok, et eh bien c'est parfait. Du coup, je vais voir pourquoi ma carte a décidé de rien faire et je vous reviens dans quelques secondes. À tout de suite. C'est bon, la map elle est revenue et en plus j'ai fait un tout petit peu d'achat, vraiment très très peu, juste pour enlever un peu de poids sur toutes les armures lourdes que j'avais mis sur Khelgar. Et il paraît que je peux acheter des trucs. Toi, non? C'est où que je dois aller pour acheter des trucs? C'est toi? Non. Donc, checkons les quêtes. Alors, vision, Khelgar veut se rendre. Alors ça, on s'en fiche pour le moment. Ça, c'est la quête principale. Les brigands, on va garder. Les brigands, c'est relié en même temps. Est-ce que ça je l'ai. Et ça aussi c'est les brigands. Donc on va aller voir les brigands en fait. Du coup, pareil comme d'hab, hein, vous connaissez. Et on va mettre la sauvegarde de ces brigands. Je crois que j'y suis allé une fois. Alors je sais pas si c'était en caméra ou en off dans une session qui a mal tourné. Mais je me suis fait rétamer la gueule par les brigands. Donc. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors non, là il me reste le campement des brigands et Grand Roche où je dois aller. On va aller au campement des brigands. Je pense que c'est pas une bonne idée. Vraiment. Je suis pas du tout certain de ce qui va se passer. Alors a priori, j'y suis déjà allé parce que j'ai la map. Quartier général, enclos des prisonniers. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai très très peur. Ça se trouve, je vais me rater d'une force incroyable. Alors, position hauteur, il n'y a rien pour le moment. Ah. Brigand, brigand et brigand. Ok. Bon, lui, il a toujours ses malus, ça va disparaître à un moment, je pense. On va essayer d'en faire un à la fois. Si on peut essayer d'en faire un à la fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, premier. Ensuite, toi. Putain, oui, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de trop. Faut que j'aille en douceur sur cette zone. Est-ce que. Non. Voilà, on va essayer de reculer un peu. Afin d'éviter que tout le monde me chope. Le genre, y aller en douceur. Non, les gars, non, putain. Je peux faire ça. Putain de merde. Alors attendez, il y a ça, il y a un truc qu'il va falloir vraiment changer dans ce jeu. Voilà. On va appliquer ça. Et merde. Je m'excuserai à chaque fois si je coupe, mais Windows, des fois, enfin le jeu fait de la merde avec les paramètres graphiques à chaque fois. Ouais.
Ok, donc je retiens, le jeu est en train de m'ennuyer à chaque fois. C'est bon, il est revenu. Bon, ben on va tous crever parce que c'est trop du cul. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je change. Ça va, ils sont pas très forts. Non mais allez-y, débrouillez-vous, hein, je sens que vous débrouillez super bien. Bien sûr, je peux faire ça. Entendu. J'ai repéré des ennemis. Que quelqu'un me protège. Restez tous où vous êtes. Non mais il va tout esquiver lui. Ah putain, il prend trop tôt. Bon, Nishka, c'est même pas la peine d'y penser. Nishka, toi tu vas crever. Donc du coup, ramasse tout. Ramasse même les potions si tu peux. Voilà, alors maintenant, vous allez me suivre les gars. À l'attaque ! Non, les gars, vous allez me suivre, j'ai dit. On va sortir de cet endroit. C'est bon. J'ai eu tellement de la chance. Elle a quoi elle? Empoisonnée. Eh ben génial. Heureusement, je dois avoir une antidote pas très loin. Antidote sur Nishka. Nishka qui va. Ouais, tu vas boire cet antidote. Merci. Et on va se soigner. Nom de Dieu. J'ai réussi à survivre. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai plus de potions de vie sur tout le monde. Bah c'est elle qui va tout prendre, hein. Oh quoi que non, c'est quel gars. Suivez-moi. Je vais quand même sauvegarder. Faudrait que je change des trucs sur sur eux. Je suis toujours en train de m'enseigner sur le jeu et de voir ce que j'ai raté. C'est notamment dans le comportement. Je pense que ça doit être là, ça doit être là-dedans. Ça doit être là-dedans, à mon avis. Ou alors c'est ailleurs et j'ai pas le choix. Bon, mais en tout cas, c'est vidé. C'est quand même déjà pas mal vidé et je vais commencer à récupérer des trucs. Il n'y a pas trop de musique là par contre. Un quartz, très bien. Là, il y a du bétail. Petite vache. Pas de coffre, pas de coffre. Il y a deux. Ah, je me suis fait repérer. Non, c'est la musique, c'est la musique. Attends. Les réfugiés, on en parlera après. Potion d'invisibilité, très bien. Des frondes, très bien. Ah, une potion de soin léger, très très bien. Alors ça. Tu vois, oui. Ça va pas, ça va servir à Nishka qui n'en a plus. Suivez-moi. Voilà, une pour Nishka. Suivez-moi tous. Tais-toi. Donc Nishka, c'est bon. Suivez-moi. Lui, c'est bon. Oui. Et lui, il a plus rien. Donc oui. Du coup, bah pareil, c'est pareil. Va falloir que je rachète énormément de potions de soins. Oui. Hop là, alors j'ai aussi ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Allez. Hop là, c'est tout bon. Oui. J'ai presque tout ramassé. Pas de coffre, pas de coffre. Parchemin, ok. Normalement sur la map, il n'y a pas de sortie. Ouais. J'en profite.
pour aller vérifier 2-3 trucs. Ça, on s'en fiche. Amulette d'armure naturelle. Oh. Plus 1. Oui. J'ai pas déjà une amulette, moi. Je n'ai pas d'amulette. Ouais. Ben, tu vas lui donner l'amulette, hein. Je m'en fiche. Oui. Et il va s'en équiper. De toute façon, le personnage principal, c'est le plus important. Emplacement taille, je pense que ça doit être pour une ceinture. Qu'est-ce que tu as ramassé, Kelgar? Toi, t'as ramassé plein de trucs. Non, ah, c'est elle qui a tout ramassé, très bien. Au niveau de l'expérience, j'en suis où? J'en suis très très loin. Très bien. Sauvegarde. Je rappelle évidemment, on sauvegarde beaucoup dans Neverwinter Nights. Alors, à qui je parle? Je me demande comment vous avez réussi à vous faufiler dans le campement. Mais il vaut mieux qu'on file. On n'arriverait pas à tous nous cacher. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces brigands veulent nous échanger contre une rançon. Il faut qu'on parte avant qu'ils s'aperçoivent de notre disparition. Ok. Les prisonniers s'évadent. Oh non! Passez devant, vite! Nous ne serons guère utiles si vous devez combattre. Bah merde. La veillère! La veillère! La... pas la veillère. Là, la veillère. Là, mais... putain, la veillère! Bon, et nous, le sac, là? Voilà. Je rappelle aussi que j'ai une arme qui met des dégâts de feu. Hein. Je sais pas où il est, le nain, mais... il est là. Ah, mais il est caché. Bon, ok. Non, mais c'est tout bon. T'en fais pas. On maîtrise, hein. Tu nous le dis quand t'as terminé? Mais c'était où? Attends, moi, je suis là-bas. Non, mais... merde. Mais merde, arrêtez. Entendu. Mais il est con, celui-là, en plus. Putain, on se met à 3 dessus. On se met tous sur un seul ennemi. Ça, faut comprendre. Que quelqu'un me protège. Voilà. Mieux. Oui, mais... non, tu... Kelgar, s'il te plaît. Enfin. Maintenant, on s'attaque à eux. Bon, il y a beaucoup d'archers, etc. Pas énormément de points de vie, ça va. Ça se passe bien. Voilà. Parfait. C'est tout bon, c'est tout bon. Normalement, il n'y a plus d'ennemis, là. Pas de drop. Je prends toutes les pièces d'or et tous les machins. Ouais, un petit repos. Hop là. Falloir que je me renseigne vraiment sur les patterns d'ennemis. Je vais les ramener à la sortie, eux. Et je retournerai après pour cette zone-là. Très précisément, le butin. Il est où le chef des réfugiés? Ouais, toi. Yes. Oh merde, faut vraiment que je te ramène là-bas. Bon bah tu sors. Normalement, il y a Sunpair ici. Putain, c'est vrai que Kelgar, putain, mais qu'est-ce que... Je n'arrive pas à croire que ça soit sorti entier. Okay. Vous avez été incroyable. Merci, mais c'était que la routine, vous savez. Merci à vous, l'ami. Et à votre camarade nain. D'ici, nous pouvons rentrer à Forlock. Oh, il y a une Ishka quand même, hein. Ouais, parfait. Je suis sûr que nos familles vous seront gré quand nous serons de retour au fort. Bonne chance à vous. Oui. Tu as vu la façon dont il m'a ignoré? Oui. Il te dit merci, mais moi, c'est comme si j'existais pas. Moi aussi, j'ai participé. Je sais. Les vrais héros ne courent pas après les remerciements. Ah, vraiment? Tu étais tellement bouffi d'orgueil quand ils t'ont remercié que j'ai cru voir double. Mais calmez-vous. Eh bien, merci. C'est vrai, c'était du bon boulot. Je ne pensais pas qu'on s'en tirerait en un seul morceau. Mais c'était un sacré beau travail d'équipe. Sans qu'on ait à frapper quiconque dans le dos, ça c'est sûr. Mais je t'en prie. Bon, cassez-vous que je rentre dans la maison, moi. Voilà, cassez-vous loin. Moi, j'ai pas fini. Bon,
c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Ça va être compliqué et j'aime pas bien ça. On y va en discrétion, les gars. Hein. Discret. Vous avez compris? Discret. Ok, je vois 1, 2, 3, 4, y'a plein de portes, bordel de merde. Y'a trop de portes, y'a trop de choses à faire. Première porte. Elle est piégée juste à temps, avant que je m'en rende compte. Échec du piège, vraiment. Non, 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 non. Merci, Nishka. À l'attaque! À l'attaque, les gars! Allez. Bon, ok, à l'attaque lui. À l'attaque de lui là. Ok, bon, à l'attaque de lui, j'ai compris. Alors, lui il est fort comment? Il est quand même pas mal fort. Ouais. C'est bon, les gars, c'est réglé, bravo. Teamworks. Deux coffres. Deux coffres, et puis une épée longue. Pour lui, voilà. Et, oh, potion de force de taureau, potion d'endurance de l'ours, et un anneau. Un anneau qui, un anneau qui, vigueur plus 1. Ah, ça c'est bien, ça, vigueur. On va le donner à Nishka, qui n'a pas encore d'anneau. Mais qui va prendre son premier anneau. Il y a des ennemis qui sont proches. Oui, bah ça je sais faire. Enfin, je m'en doute. Un râtelier. Eh ben tiens, hop pour le nain et hop pour le nain, voilà, que ça c'est réglé. Est-ce que tu peux crocheter ça? Mais t'es trop forte, Nishka, t'es trop forte. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Une flasque décide, un tambourin. Un tambourin. Ça ne... Elle n'a pas assez de savoir. Le tambourin, moi j'ai assez de savoir. Alors, barde, blablabla. Tambour des morts, ok. Ok, très bien, donc c'est un truc un peu mystique. Ce coffre-là, par contre. Contient quelques piécettes. Je ne peux toujours pas me soigner, il va falloir que je retourne au pied de la porte. Non, faut que je sorte tout courant en fait pour me soigner. C'est un peu con ça. Mais c'est normal, hein, les ennemis, vous les connaissez. C'est toujours comme ça. Il y avait une seconde porte. Il y avait plein de portes dans cette zone, au secours. Bah, il y a une porte en face, littéralement. Qui a l'air d'être la pièce centrale. Ou bien encore une autre porte. On va faire une nouvelle save. Ah, un magicien. Alors c'est le magicien en premier, hein, pas le choix. Voilà, le magicien. Même s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ah là là, que c'est compliqué qu'il garde ses petits pièges. Enfin ça, quel gars. Oh là là, alors là par contre les gars, il va falloir bien m'aider. Ou alors m'aider pas comme ça. Je sais pas ce que vous branlez. Les gars, je sais même pas ce que vous branlez dans vos vies. C'est n'importe quoi, vous vous dispersez, c'est nul, y'a pas. Non mais Nishka n'y pense même pas, toi tu vas là-bas et puis tu vas te faire foutre. Tu vas fermer la porte, Nishka. Il est où le nain? Voilà. Nom de Dieu. Saloperie. De merde. Les zones cleared comme ça me fait peur. Oh là là.
Il y a vraiment un énorme problème au niveau du pathfinding. Je le répétais plein de fois. Une armure, une baguette, bon c'est des trucs de magicien, une épée longue. Oh, putain, il y en a même dans les couloirs, je suis absolument pas rassuré moi. Oui, il y a des ennemis qui sont proches, je l'ai deviné. Symbole sacré de Thor, et bah parfait, c'est exactement ce que je cherchais. Outil voleur, potion de soin léger, encore mieux. Un petit objet que je vais prendre. Collier en cuivre, ça ne servira à rien, je le revends. J'en ai eu plein dedans, j'étais sur le premier jeu. Je vais m'éloigner assez pour me soigner, parfait. Et puis on va explorer d'autres portes, d'autres endroits de cette maison.